Ouais, j'ai enfin trouvé la sortie. Eh ben, j'aurais fait tout le tour de ce bâtiment à la con. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex de Bladecat qui vous retrouve pour un nouvel épisode du playthrough sur Far Cry 3. Je me suis rendu compte en finissant l'épisode que j'étais pas obligé de taper la mission, quoi, que je pouvais sauvegarder à n'importe quel moment. Du coup, je reprends après avoir installé un mode que l'un d'entre vous m'a conseillé. Alors, j'ai oublié ton nom, désolé. Je crois que c'est Mister... Ah, je suis salaud, quoi. Je devrais... Bah, écoute, ton nom sera affiché là, à l'instant. Tada, voilà. Donc, merci à toi qui m'a conseillé un mode pour optimiser, je crois, les performances du jeu. Honnêtement, ça change pas grand-chose, hein. Je tourne toujours à... Bah, c'est pas un nombre de FPS super haut, mais c'est convenable, hein. Pour moi, le jeu est fluide. Puis je suis habitué... À force de jouer à Minecraft à 5 FPS, mes yeux commencent à être... Là voilà, comme vous voyez là, voilà, des petits coups de lag, des petites chutes de FPS. Mes yeux commencent à être bien entraînés pour voir de la fluidité où il n'y en a pas. Et donc, ouais, j'ai mis le cap sur des défis raquettes qui se trouvent là-haut. À une centaine de mètres, mais il va falloir que je me grimpe toute cette colline. Ça va être un joli programme. Je remarque aussi que... Ah ouais, bah du coup, oui, j'ai pas réattribué la touche. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Remarque, avec la molette, le corps à corps, c'est pas mal non plus, hein. Oula, c'est malsain ici. Oula, où est-ce que je suis encore tombé? Donc on le saura pour la prochaine fois, il y aura des QTE à la con où il faut maintenir ou marteler une touche. En général, c'est la barre espace, donc je la réattribuerai. Ce que je disais, c'est que oui, j'ai remarqué que j'avais plus énormément de munitions avec... Ah oui, j'ai gardé cette arme aussi, c'est bien. Avec la M4, il me reste un magasin plus 17. C'est pas tip top. Donc s'il est question de buter des mecs, faudra y aller au MP5. Eh les gars, oh, je fais du stop. Wouh. Oh la vache. Oh, toute la barre de vie qu'ils m'ont enlevée. Eh bé. Juste en frôlant leur voiture, quoi, en voulant faire du stop. Comme quoi, être auto-stoppeur, c'est risqué. Hein. Les mecs, ils risquent leur vie. Ouh là là, ça c'est un camp, ça. Non, c'est une tour radio. Oui, c'est un camp. Est-ce que je peux faire les défis RA4? Rendez-vous au centre de communication. Non, je veux pas. Alors... Gâchette furieuse, tuer un maximum d'ennemis, les armes changent après chaque frag. Oh, un gun game! Ça, je me souviens, ça, avec Shepard, j'en faisais sur Team Fortress 2 et Counter-Strike. A chaque fois qu'on tuait un mec, on avait une arme meilleure. Bon, moi, je restais toujours au pistolet parce que j'étais un noob. Et Shepard, il arrivait vite au couteau, quoi, au cut, parce que c'était la dernière arme. Allez, on va commencer. Ah, ça va être bien. Ça va être bien. Ah ouais, d'accord, les points là. Au bout de 10 points, on est défenseur. Ok. Ok. Bon, on va tenter le coup, hein. C'est parti. On est au pistolet. Déjà toi. Oh vache. Voilà! Aïe! Ah, avec le pistolet, c'est jamais évident. Voilà! Oh, ça c'est bien ça. Ah, fusil à pompe! On fonce dans le tas! AK-47. On fait péter ça. On fait péter ça aussi, on s'explose la tronche. Ah la vache!
Oula. C'est quoi maintenant? Oh, une batteuse! C'est le moment d'arroser! Oh non, encore une arme! Une arme de poing! Remarque. Celle-là, elle est... J'ai rien dit, elle est pas efficace du tout. Elle a une portée de merde. Meurs! Oh, j'y vais au cac. Voilà! Défenseur à nouveau. Ah, j'ai limité... J'ai du soin illimité, c'est bien ça. Ouais, par contre, niveau temps... Alors, on va se rajouter un bonus. Même plusieurs. Toi aussi, t'es à découvert, mon pote. Fusil à pompe! Hop là. Je vais exploser ça parce que j'aime bien. J'aime bien tout faire péter dans ce genre de situation. Oh oui. Pleine tête. Wouh. Oh la vache, mais je m'améliore. Elle est bien celle-là. Tiens. C'est quoi ça? Ah, c'est le M1 Garand, je crois. L'arme de la Seconde Guerre mondiale. Oula. Ouais, je me rajoute du temps parce que c'était limite. Hop là. Toi, c'est fait. Au suivant. Voilà. Ça va vite, hein. Oh là, lui je l'ai pas eu. Oh l'arc. Oh là c'est chaud. Boum. Flèche explosive. Y'a que ça de vrai. Oula, y'a des costauds là. Aïe, aïe. Le temps est écoulé. Alors, votre score 230. Eh ben c'est bien. C'est bien. Ah, Aquair qui joue à Don't Starve. Je me le suis acheté ce jeu, hein. Je vous ferai peut-être pas de vidéo, mais il m'intéresse et du coup comme j'en ai eu deux, j'ai filé l'autre à Aquair, voilà. Et depuis il y joue et il aime bien les jeux de survie, donc j'ai bien fait. Cool. Bon, j'ai pas... Oh, à 20 points près, j'aurais eu 250$, mais bon, l'argent c'est pas ce qui compte. Et puis 400 XP, j'en gagne 3000 à chaque fois que je réussis une mission, quoi, s'il te plaît. Mais c'était sympa, on le saura la prochaine fois qu'il y a ça, et je savais même pas qu'il y avait du gun game dans ce jeu. C'était vraiment un mode, enfin un mode, sur les serveurs de CS qui me plaisait, quoi. Et à l'époque, quand on était collégien, il y a 10 ans, vous vous rendez compte? Parce que Counter-Strike c'est vieux, hein, comme jeu. Chez Pardez-moi, on se régalait, quoi, à chaque fois. Oh là là, c'était excellent. C'était excellent. Alors, maintenant. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait... ouais, ça, mais c'était un... C'est un camp. Ouais, il faut que j'aille dans la zone interdite. Et donc, c'est inadmissible. Ah, c'est bien. Et ça s'affiche sur Youplay, d'accord. Peut-être que je le partagerai sur Twitter, enfin, si je peux, parce que je suis pas familier de tout ce qui est social, réseaux sociaux, tout ça, là. Ah oui, Buck, il est mort, lui. C'est vrai qu'on n'a pas lu les fiches de Riley et de Sam. Le petit frère. Moi, par exemple, mon pays me manque terriblement, mais je ne vais pas me mettre à escalader un gratte-ciel ou à faire du rodéo avec les baleines. Ouais, c'est pas la même chose en tout cas. Sam. Sam, l'allemand. Il est épique, hein, quand même. Ah ouais, du coup, on a récupéré plein... Ouais, bon, ça, c'est... Ça, c'est de la merde, ça.
je vous laisse lire, mais voilà, aucun commentaire. Le Ace. Ah ouais, ça c'est l'amélioration du AK-47. Voilà. Quoi d'autre? Le Vector, on l'a utilisé. Ça, c'est quoi ça? Une mitraillette. Je crois qu'elle était assez efficace. Hein. Et le D50, oh bah ça c'est le Desert Eagle ça. Desert Eagle, Deagle, D50, ce truc, cette arme elle a plusieurs noms mais ça ressemble à Desert Eagle. Hein. J'en ai débloqué d'autres des armes là, non? Le MKG, ah oui celle-là c'est une batteuse. Une batteuse belge. Utilisée par les forces américaines, et ben voilà. Comme quoi, hein, les Belges, ils font des trucs bien aussi. Hein. Le MS-16, voilà, c'est ça, c'est l'arme... elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre et la guerre du Vietnam. Ouais. Ils les ont achetés sur Internet, c'est sur eBay. Ou sur Amazon. Ah ouais, le Space 12, ça, c'est... Le GIGN, ils en ont. Et ça fait mal. Ça, le scorpion, ouais, ça, c'est très utilisé aussi. Ouais, on a tout vu. On a tout vu. Bon. Compétences, j'ai pas de points. Ouais. Il me manque quelques XP pour arriver au prochain stade, hein, quand même. C'est toujours 4000, d'ailleurs. C'est moins élaboré que dans Skyrim. Confection... Putain, je suis une omelette ce soir, j'arrête pas de faire voilà. Flèche explosive. Hop. Il m'en manquera une. Les trucs là. Tout ça là, sac à butin amélioré, où il faut chasser les bestioles. Je le ferai pas. Je sais même pas si on peut... On peut le faire. Non, on peut pas le faire sur cette île. Oula, attention voiture, pas se faire écraser parce que eux ils y vont pas de main morte. C'est sur l'île du Nord, donc quand on y retournera, on se chargera de chasser parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas chassé de la bête. Il y a un pylône radio pas loin. Est-ce que j'y vais? Allez, on y va. Mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Attends, il y a... Non, c'est toujours la zone interdite, quoi, c'est... On va longer. À la frontière, à la frontière. Voilà, je passe là. Délicatement. Hop. On va y aller à ce tour. Mais si on n'y arrive pas... on lâchera l'affaire définitivement. Voilà, et on tuera ces deux-là. Pour la peine. Ah, il y a une bagnole et tout, hein. Des sous. Ah, zut. J'aurais pas dû me faire une seringue. J'avais un medikit là. Bon, c'est pas grave. Faudra qu'on aille cueillir des plantes vertes, justement. Commence à être un peu à court. Alors, cette tour. Allez, monte les escaliers, ça c'est pas dur. C'est après que ça l'est. Voilà, par là. Déjà. Je remettrai ma configuration parce que j'aime pas sauter avec la barre espace. Tout le monde le fait, mais moi j'ai été habitué à sauter avec la molette bas, quoi. Je le faisais dans CS. Je fais dans Team Fortress 2, j'ai encore un... Oula, il y a un ours. J'ai encore eu un ralentissement. Maintenant, je fais quoi? Ah, voilà. Mais c'est pas la celle que j'ai essayé de me faire il y a quelques épisodes, là? Si, hein, je crois. Bon, écoutez. Ah, non! J'allais dire, on va réessayer, mais bon. On est encore bien parti pour galérer. Ok. Ok.
Oh non. Ah, je suis mort. Bon, oui, là, c'est pas mon jour. On va dire que c'était pas mon jour, et puis, j'avais pas dit que j'arrêtais avec les tours radio, là, c'est bon, hein, ça suffit. Voilà, on s'est bien amusé avec les pirates, là, et le changement d'armes. On va en rester là pour cet épisode. Voilà, je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous retrouve peut-être pour la mission là où il faut se rendre au centre de communication. Autrement on ira se balader, chasser, cueillir des plantes, enfin bref, on ira batifoler dans les prés. Et bah en attendant, profitez bien. Merci encore à... Ah, c'est quoi son nom? Il y a plein de X en plus, il y a plein de croix, ça je crois que c'est... BB300 aussi, il a des croix autour de son pseudo, enfin bref, c'est bizarre, mais bon, merci à toi, hein. Bon, il est pas très efficace ton pack, mais bon, je te remercie quand même de me l'avoir proposé. Allez, à plus !